Merci cher Philippe Sinclair qui est à la régie, à Louis à la vidéo. Et en effet aujourd'hui, chers amis, chers auditeurs, eh bien, nous continuons notre investigation et notre réflexion avec tous nos amis sur au fond les questions contemporaines et nous intéressons, ce n'est pas la première fois, à l'Europe si vous le voulez bien. Alors pour commencer, je voudrais, si vous l'acceptez, dédier cette émission, nous en avons parlé avec François, à deux universitaires, de grands universitaires qui viennent de décéder, hélas. Il s'agit de Michel Ganzin, un juriste d'Aix-en-Provence, professeur, qui avait créé l'Association française des historiens des idées politiques et qui lui a donné une dimension véritablement européenne. Et aussi de notre vieux camarade et ami, Dominique Lecourt, avec qui nous avons préparé l'agrégation avec Georges Canguilhem, qui était ancien élève de l'École normale supérieure, et qui a consacré sa vie à la philosophie, au débat philosophique. Il était un très bon spécialiste de l'histoire des sciences, et lui aussi s'intéressait à l'Europe. Je dirais d'ailleurs quand même le dernier numéro de l'Institut d'Hydro qu'il a créé porte sur l'Europe. Alors, donc, au fond, l'Europe. Et aujourd'hui, évidemment, en vérité, n'est-ce pas, si on réfléchit à l'Europe, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a trois utopies, comme on dit dans ces carnets de l'Institut d'Hydro, comme dit notre collègue Francis Wolff, l'Europe des Lumières, l'Europe de Victor Hugo, l'Europe de le projet de Kant. Mais, en fait, il nous semble qu'aujourd'hui, et c'est ça que nous devrions parler, il y a deux objections fondamentales faites à l'Union européenne. La première, c'est au fond de ne pas prendre assez en compte les nations, donc l'Europe contre les nations. Et la seconde, c'est d'être aujourd'hui dans le bloc, si vous voulez, des civilisations, des grands continents mondes, une parmi d'autres. Et donc, ce sont ces questions que nous voudrions soulever aujourd'hui. Et nous commençons en écoutant notre ami François Alexis Lacroix, pardonnez-moi, par un texte de Hegel, extrait de la philosophie de l'histoire. L'Europe, Alexis, nous nations, l'Allemagne, Hegel. L'ordre dans l'État n'existe qu'en Europe. En Orient, l'unité est une unité pure, abstraite, fanatique, tandis qu'en Europe, les différences ont au contraire été fixées. La formation de l'État a acquis de la solidité et elle est passée par la propriété privée. Le pouvoir temporel s'est développé pour lui-même, l'esprit s'y est déployé hors de l'Église. La nouvelle bannière autour de laquelle les peuples se rassemblent, le drapeau de la liberté, de l'esprit véritable, c'est l'esprit de la modernité et c'est ce qui caractérise la période moderne. La différence entre nations germaniques et romanes, la voici. L'Italie est comme la singularité présente qui ne parvient pas à se déterminer au moyen du penser et de l'universalité. L'Espagne est le peuple de la représentation de l'honneur, du sérieux, le peuple où est apparu dans tout son éclat l'esprit de la chevalerie, l'esprit chevaleresque, est sorti de chez soi pour aller en un nouveau monde, en Amérique, sans se retourner sur soi. Le troisième peuple, ce sont les Français, le peuple du penser et de l'esprit qui n'est toutefois qu'un esprit essentiellement abstrait, le peuple de la culture infinie. L'autre série de nations est constituée par celles qui conservent leur intériorité, la Grande-Bretagne, l'Écosse, l'Irlande, le peuple scandinave, le Danemark, la Norvège et la Suède, l'Allemagne. Ici domine le principe de la singularité, de l'individualité, de la subjectivité. L'Allemagne, en tant que telle, est le microcosme de l'Europe. Il y en a aussi un troisième, c'est l'être slave, c'est la Russie. Il nous faut ici mettre en relief la figure de Frédéric II, c'est un personnage de l'histoire mondiale. Il a saisi la pensée universelle de l'État parce qu'il s'en est tenu à la fin universelle. Les pays de l'Église évangélique ont donc déjà opéré leur révolution. Il n'y a ici aucune contradiction absolue qui irait contre la pensée de la fin concrète de l'État. Extrait de la philosophie de l'histoire. On l'a vu, n'est-ce pas? Eh bien, Hegel, c'est le plus grand philosophe allemand du 19e siècle, certainement. En tout cas, il a enrichi la réflexion de tous ses successeurs. On distingue les Hegeliens de gauche et les Hegeliens de droite. Nous allons passer rapidement, puisqu'il est très connu. Que nous dit-il ici? Plusieurs choses, évidemment, extrêmement intéressantes sur l'Europe. Premièrement, que l'Europe, selon lui, s'oppose à l'Orient. D'ailleurs, ailleurs, il a affirmé que l'Europe, c'était l'ouest absolu du monde. Donc l'Europe,
c'est le monde occidental qui s'oppose au monde oriental, où règne, dit-il, n'est-ce pas, l'unité pure, fanatique, et par opposition, l'Europe a accepté les différences, la diversité, à partir, dit-il, de la propriété privée, est connue, reconnue et fixée par l'État. À partir également d'une division qui lui semble importante entre l'État et l'Église, n'est-ce pas, le public et le privé religieux, et la bannière de l'Europe, dit-il, c'est la liberté de l'esprit, et l'Europe est l'esprit donc du monde moderne. Cela dit, deuxième point, eh bien l'Europe elle-même est quand même divisée. Elle est divisée entre les nations romaines ou romanes, selon que l'on dit, c'est-à-dire d'abord l'Italie. Alors de l'Italie, il parle de la belle floraison, mais de l'absence de droit et d'éthicité. Et il n'est pas dit un mot, n'est-ce pas, sur le caractère républicain, par exemple, de Florence. Non, il ne parle que de l'Italie romaine, l'Espagne. Là, on sent qu'il a Don Quichotte à l'esprit. C'est l'esprit de la chevalerie transportée, mais hors de soi, dans le Nouveau Monde, sans revenir à soi. Il y a donc, dans l'Espagne, il n'y a pas véritablement d'industrie, il y a peu d'art. Bon, ce sont ses positions, elles sont peut-être discutables. Quant à la France, eh bien là, une claque, comme d'habitude, n'est-ce pas ? L'esprit abstrait, en fait, c'est le rationalisme des Lumières qu'il a en tête, étroit, sans intériorité, le peuple de la culture infinie, mais qui ne revient pas à lui-même. À ces nations latines, romaines, il oppose les nations protestantes, qui ont, elles, conserver au fond leur intériorité. La Grande-Bretagne, les pays scandinaves, il y a une annexe pour la Russie, mais dont il ne parle pas beaucoup ici. Enfin, son principal protagoniste, c'est l'Allemagne, le pays de la réforme, où domine, dit-il, la singularité, l'individualité, la subjectivité. Et c'est pour ça que, en fait, il a fait du monde germanique, dans sa philosophie d'histoire, l'une des étapes fondamentales et même la dernière, n'est-ce pas, du développement de l'histoire mondiale qui s'est accomplie. Dans le monde occidental, après le monde grec et le monde romain, l'Allemagne est donc la nation principale, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi Frédéric II, alors il ne faut pas confondre évidemment le Hohenzollern avec le Hohenstaufen, Frédéric II, c'est le grand Frédéric le Grand, le roi philosophe, l'hôte de Voltaire, et bien pour lui, c'est un personnage absolument fondamental parce qu'il a construit l'État en Prusse, n'est-ce pas, l'État, le rationnel en soi et pour soi, pour Hegel. Et justement, dans ces pays, eh bien, on a échappé, dit-il, aux révolutions que ne connaissent que les pays latins. Troisième point, bref, pour Hegel, il y a une seule nation en Europe qui atteint à ce qu'il a appelé l'esprit du monde, c'est-à-dire qui est rentrée dans l'histoire mondiale, l'histoire mondiale dont il dit qu'elle est aussi le tribunal mondial, et c'est la nation germanique et qui connaîtra son droit absolu sur les autres peuples, n'est-ce pas ? C'est dit de cette façon-là. Bref, l'Europe doit être conduite, ça c'est au fond la ligne qu'il faut tirer, et dominée par la nation allemande. Alors, on touche là, évidemment, à la pointe extrême d'objection de l'Europe des nations à l'Europe tout court, puisque ce sont les nations, c'est en fonction des intérêts des nations que d'une nation qu'on peut définir la marche du monde. Et c'est ce qu'a, au fond, c'est la conviction qui a été tirée par les nationalismes hier et aujourd'hui. Et donc, premier problème, eh bien, est-ce que le monde européen est-il celui, au fond, des nationalismes aujourd'hui ? Comment doit-il se situer à l'égard des nationalismes ? Et deuxième question, et je vais me tourner vers vous, Alexandre, si vous le voulez bien. Il n'y a pas que des nations, il y a des grands blocs, n'est-ce pas ? L'Amérique, la Chine, le monde anglais, le monde moyen-oriental et même peut-être l'Afrique, même si certains ne sont pas encore unifiés. Comment situer l'Europe à l'égard non seulement des nations, mais de ces grands blocs ? Qu'est-ce que vous diriez d'abord du texte de Hegel et de ces questions, Alexandre ? Ben, d'abord, et très honnêtement, je suis sidéré par la capacité visionnaire de Hegel. Bien entendu,
je vois aussi tous ses défauts. Et comme j'ai lu avec passion Brecht, qui n'aimait pas du tout Hegel, je sais très bien ce qu'il a raconté pour essayer de faire rire ses lecteurs. Et d'ailleurs, ça m'avait tout de suite fait rire. Oui, évidemment, Hegel, il souffrait d'une maladie des yeux. Alors, de temps en temps, il clignait tout le temps des yeux. Donc, il voyait, il voyait toujours un point de vue ou un autre selon qu'il clignait du bon ou du mauvais œil. Alors, donc, cette maladie des yeux de Hegel expliquerait d'une manière amusante pour Brecht le caractère, la dialectique, en fait, l'invention de la dialectique et de la synthèse des deux points de vue. Ce qui est extraordinaire, quand même, chez Hegel dans cette affaire, c'est sa synthèse prédictive, sa capacité prédictive, parce que tout ça est écrit dans les années, vous l'avez dit, 1830, 1820. Oui. Oui, et bien entendu, nous sommes encore avant l'unification allemande par le fer et par le sang, mais par la Prusse de Bismarck, et nous sommes bien avant encore la tentative d'une synthèse qui sera le Troisième Reich, entre évidemment le Deuxième Reich, dont la chute en 1918 était un peu imprévue pour tous les Allemands, est tombée comme le tonnerre, et puis le Troisième, ça a voulu être la synthèse. Comment la synthèse? Permettez-moi de développer encore la vision hegelienne, car elle est juste. C'est la synthèse de Frédéric II et Guillaume II d'un côté, de la Prusse, et trois termes. La Prusse, ensuite Nuremberg, c'est-à-dire là où les congrès du parti nazi se tenaient, c'est-à-dire en fait l'Allemagne moyenne, celle où se rencontrent à la fois l'esprit protestant et l'esprit catholique, et se conjoignent dans un troisième terme scandinave, qui est évidemment, notre ami Göring était tout le temps fourré en Suède à cause de sa femme suédoise, et il n'aimait que c'est lui qui a introduit chez Hitler l'idée que la Scandinavie est une espèce d'Allemagne pure, parce qu'elle n'a pas été touchée par le christianisme. C'est l'Allemagne des sagas, l'Allemagne, enfin bref... de toutes les légendes qui sont les légendes wagnériennes. Et bien entendu, Göring représentait par son appétence scandinave ce troisième terme. Alors, c'est absolument extraordinaire. Le Troisième Reich, effectivement, est né de cette vision absolument... alors, bien entendu, vous m'effrayez, Alexandre, parce que je croyais à vous suivre que dans un premier temps, n'est-ce pas, vous abondiez dans la vision hegelienne. Or, maintenant, vous nous expliquez qu'elle conduit... n'est-ce pas, à voir ce qui va se passer au 20e oui, siècle. Oui, oui, oui. Mais alors, comment vous situez-vous par rapport à ça? Parce que... Je suis contre, vous voyez, parce que, étant juif déjà, même juif allemand, je n'étais pas dans le bon sens. Donc, il me restait que la poudre des scampettes, ce que, d'ailleurs, mon père n'a pas vraiment fait, puisqu'il s'est battu. Mais, en tout cas, oui, je suis contre. Mais, en même temps, je suis tout contre, parce que je suis frappé de la justesse et de la pertinence historique de tout ce qui est raconté. Alors c'est pour cela que ce n'est pas la peine de dire la bête immonde, etc., l'Allemagne nazie, c'est la barbarie, pas du tout. C'est malheureusement une haute culture et une culture que je répudie de tout son thème. Mais bien entendu, je n'imagine pas que Hegel, qui lui-même était un homme quand même modéré dans certaines de ses visions, aurait continué à persécuter les juifs. Il a d'ailleurs eu des biographes juifs, comme Karl Rosenkranz, qui sont particulièrement très importants et éclairants, comme d'autres. Mais si Hegel ne doit pas être accusé d'antisémitisme sous cette forme-là, il a quand même tout prévu sur ce plan, et évidemment la relégation de l'élément juif dans la pensée. Il voulait la digérer, il ne voulait pas l'éliminer. Enfin... tout ce qu'il a écrit, y compris sur Spinoza, est extrêmement troublant. Moi, je ne vous suis pas du tout, Alexandre. Ah bon? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que même si on peut admettre qu'il y a une vision, n'est-ce pas, hegelienne, mais elle est assise sur l'idée, n'est-ce pas, de la justesse, de la légitimité de la domination, de ce que les historiens français ont appelé, en le dénonçant, le pan-germanisme. Et deuxièmement, il n'y a aucune... Donc, en fait, je veux bien que ça ouvre au nationalisme que nous avons connu au XXe siècle, surtout à un nationalisme.
nationalisme, n'est-ce pas, dévorant. Mais par contre, ça ne pose aucun des problèmes du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire du monde d'aujourd'hui qui est celui du développement des républiques démocratiques, puisqu'il n'y a rien sur la République, il ne comprend même pas ce qu'est la République. Et pour Hegel, il n'y a que des empires, d'une part, et deuxièmement, il n'y a aussi rien, n'est-ce pas, sur, au fond, les différentes civilisations qui se partagent le monde. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, François? Oui, l'Europe entre la nation et la civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez de sur ce texte? Oui, sur ce texte. Et on croirait une galerie de portraits qui décrirait, si on veut, les différentes composantes d'une Europe. En réalité, ce n'est pas une galerie de portraits. C'est une hiérarchie et c'est surtout une téléologie, puisqu'il a mis en ordre, si je puis dire, avec toutes ces ressources dialectiques bien connues, il a mis en ordre les nations d'Europe pour qu'elles culminent dans l'État prussien, ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Et ce que par ailleurs, évidemment, Marx lui a reproché. Bon, on ne retient que ça de Marx, comme si d'ailleurs Marx était le seul critique du 19e siècle de l'hegelianisme. Moi, j'en cite d'autres, et un en particulier, qui est très important et qui nous mène plus loin, à mon avis, que cette téléologie. Alors, Kierkegaard a dit beaucoup de mal et avec beaucoup de pertinence et de justesse du système hegelien, de la machinerie hegelienne. Schopenhauer, n'en parlons pas, bon, le lourd charlatan. Mais c'est Feuerbach qui est le plus intéressant. Alors, que dit-il ? À mon avis, le plus juste. Parce que alors, Feuerbach dit, voilà, la grande spécialité de Hegel, c'est une logique du temps. Les choses se succèdent. L'une chasse l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à une apothéose. Voilà, donc sa grande spécialité, sa pensée, c'est une pensée du temps qui efface au profit de quelque chose qui apparaît. Éventuellement, le Christ roi, mais enfin, laissons ça. Alors lui, Feuerbach, il dit non, l'espace compte beaucoup. Parce que ce qu'il donne comme successif dans le temps est en réalité contemporain et contigu. Et alors, j'en tire des conclusions sur les différents portraits des pays qu'il énumère. Si on considère la géographie, par exemple, prenons simplement le cas de l'Allemagne. Qu'on lise Hölderlin, qu'on lise ce qu'en a fait Heidegger, qui a écrit des milliers de pages sur Hölderlin. Quelle est leur idée sur l'Allemagne? Elle est coincée. Elle est coincée entre des puissances atlantiques, si on veut, la France en particulier, mais surtout le bloc de l'Est qui la comprime. La Russie. Et cette géographie allemande, si on veut, fait que le sentiment obsidional des Allemands les pousse à aller essentiellement vers l'Est. Et c'est d'ailleurs ce qu'Hitler a fait, puisqu'il considérait que le monde slave était en quelque sorte une colonie naturelle. Je continue quand même d'un mot. Mais est-ce que l'Europe, est-ce que l'Europe, l'Union européenne, parce qu'il faut quand même dire, n'est pas quelque chose de totalement différent de ce programme? Alors, l'Union européenne est un équilibre. C'est-à-dire qu'elle doit effectivement tenir compte de ce que c'est contiguïté, ce que c'est ces problèmes frontaliers, entraîne quant à la politique de chacun et aussi vis-à-vis des sacrifices que chacun doit faire pour qu'il demeure un équilibre européen. Oui. Or ça, à mon avis, cette notion d'un équilibre européen est absolument absente de Hegel. Je précise quand même que celui qui a pensé très profondément l'équilibre européen, c'est Ortega y Gasset, qu'on ne cite pas. Je vous le laisse. Mais alors, merci François. Merci. Alors Marielle, qu'est-ce que vous inspire ce texte, chère Marielle? Ah, c'est étrange. Par exemple... Attends, Marielle, parlez devant le micro. Par exemple, pour ce qui est de l'Italie, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment senti ce qui allait se produire. Puisque, au fond, il n'arrive pas à se déterminer au moyen du penser de l'universalité, alors qu'en fait... il y aura bien le raisonnamento qui va réunir l'Italie. Oui, parce qu'il pense une Italie romaine et pas une Italie républicaine. Voilà, vous avez tout à fait raison. Il n'a pas compris là ce qui s'est passé. Le raisonnamento n'est pas présent, c'est vrai. Oui. Donc déjà ça me paraît bon. L'Espagne, la représentation de l'honneur, oui. Il sort Don Quichotte de l'Espagne. Bon, oui. Freud avait fait un peu la même chose, il avait appris l'espagnol pour lire Don Quichotte, donc c'est que ça veut dire quelque chose. Maintenant, est-ce que Don Quichotte... Les républicains espagnols ont été la réincarnation de Don Quichotte. Ils ont accepté de combattre le fascisme alors qu'ils étaient battus et archi-battus.
et ils sont restés. Madrid n'est pas tombé, ils sont restés à Barcelone, ils sont restés comme jusqu'au bout. Et c'est le plus beau exemple de sacrifice que jamais. Et d'ailleurs, ce sacrifice nous permet d'avoir aujourd'hui la République en Espagne, avec la monarchie, bien sûr. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, en Espagne, était plus grand que l'Espagne, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, bon, le troisième peuple est français, le pense et l'esprit, d'accord. Quant à l'Italie, elle est toujours dominée par les curés. Hein. Pour lui, le français, c'est les Lumières. Elle est toujours dominée par la démocratie chrétienne et par la curaille et par le Vatican. ça n'a pas changé. Après l'épisode mussolinien, qui était quand même plutôt heureux. Marielle, continue. Ça dépend pour qui. Bon, alors à partir de là, évidemment, il y a le nationalisme. Il est allemand, il pense que... Ben, les Allemands sont très très supérieurs aux autres. Quoi. Oui. Voilà, donc on voit bien comment, effectivement, ce sentiment d'être supérieur à l'autre va nous conduire au pire. Voilà. Bon, merci Marielle. Alors, et vous, Alexis, au fond, est-ce que ce texte de Hegel a la moindre actualité selon vous? D'après Alexandre, oui. Alexandre pense qu'il a une vision du monde tel qu'il est. Et, pourtant qu'il n'est pas dominé par le nationalisme, il revient, et ni par l'Europe entre les grands blocs. Mmh. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas vous faire une réponse de Gascon, mais les deux optiques sont légitimes. Oui. On vous écoute. L'optique anthropologique développée par Alexandre. Surtout si on a une maladie des yeux. L'optique anthropologique, c'est pas mon cas. Mais l'optique anthropologique développée par Alexandre a sa pertinence. Il y a évidemment, même si aujourd'hui on l'étudie moins, il y a une âme des peuples ou une psychologie des peuples, comme on disait au début du XXe siècle. Dans l'esprit des peuples. Oui. Et exactement, ça existe. Et donc, bien sûr. Et donc, au fond, le texte de cet extrait que vous avez choisi fait référence au fond. Mais bien sûr, à ces psychologies collectives qui ne veulent pas dire que chaque individu, membre du peuple, relève de cette psychologie à titre individuel, bien sûr que non. Mais il y a des âmes des peuples, ce qu'on appelle dans la tradition allemande le Volksgeist, pour justement qualifier la germanité. Là où en revanche on ne peut que se séparer de lui, puisque nous sommes sur Radio J, c'est aussi sur sa vision de certains peuples européens. Après tout, le peuple juif est un des plus vieux peuples européens. Dans le système de Hegel, il n'est pas mentionné ici, mais dans le système de Hegel, il a fait son temps. Il a fait son œuvre, il doit céder sa place gentiment aux autres peuples qui font l'histoire. Alors, notamment le peuple allemand, mais pas seulement. Et donc, il y a le peuple français, il est très dur oui, avec alors, la France. Il y a... Et hostile. Oui, alors ah, il y a... Laissez-moi juste terminer. Vous avez été passé par le bulldozer, le bulldozer napoléonien. Alors, je pense que le substrat de l'anthropologie hegelienne se double d'une téléologie, comme l'a dit François, et donc d'une vision historiciste du monde dans laquelle la raison cartésienne française, qui triomphe selon lui dans la Révolution française, est destinée également, comme le peuple juif, mais d'une autre manière, à céder la place aux nations romantiques. Oui. Qui, absolument, les nations romantiques vont faire l'histoire, la grande histoire, et il faut que le peuple français comprenne que lui aussi, il est un peu, pardonnez-moi l'expression, has-been, et qu'il se calme, et qu'il se calme dans sa volonté d'universalité. C'est évidemment le substrat de cette pensée-là. Aujourd'hui, rassurons nos auditeurs, l'Europe n'est, avec le couple franco-allemand, n'est pas fondée sur ce postulat, naturellement. Les Allemands, même quand ils sont arrogants vis-à-vis des Français, ne pensent en aucune façon que l'esprit français doit s'effacer ou se dissoudre dans une européanité dominée par l'esprit allemand. Attendez, le mot de la fin, parce que nous arrivons à la fin, c'est parce qu'en fait, il y a une perspective républicaine, n'est-ce pas, fondamentale, dans l'Union européenne, qui est totalement absente de la conception de Hegel. Voilà. Il a une conception uniquement impériale. Merci à tous. Un mot quand même que Sloterdijk, qui est un Allemand, malgré le caractère hollandais de son nom, eh bien lui, il pense que la France doit être... On doit lui en prendre le caniveau, oui, bien sûr. Il le pense et il le dit. C'est vrai. On s'extasie sur M. Sloterdijk. Bon, mais on en restera là. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci à tous. Et merci à nos auditeurs. Sloterdijk.